Bonjour à tous, votre agité de Polybourse avec Trading Central. À la une de l'actualité, ce jeudi, on retrouve Engie, le groupe d'énergie, et Google ont conclu un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 12 ans. Dans le cadre du développement de l'éolien offshore du projet Moray West, les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre et visent 15,50€ et 16,50€. On passe à Renault. Le constructeur automobile et Voltalia en signe le plus important contrat d'approvisionnement long terme en électricité d'origine renouvelable de France pour une capacité de 350 MW, représentant la production d'environ 500 GWh par an d'ici 2027. Les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre Ebis, 34,80€ et 38€. La stratégie du jour, il s'agit d'Air Liquide. Le titre a pris appui sur une oblique haussière en place depuis octobre pour franchir la résistance des 137,50€, libérant un nouveau potentiel de progression du côté des indicateurs techniques. Les moyennes mobiles à 20 et 50 séances évoluent positivement sous les cours. Ainsi, au-dessus des 130€, une poursuite de la progression est anticipée en direction de 144 puis 151€. En extension, portez-vous à l'achat sur le Varan Call P590T, mis par année crédit, de prix exercice 150€ et maturité au 15 mars 2023. Enfin, notre coup de projecteur sur le CAC 40, l'indice se maintient dans une dynamique haussière après le dépassement de la résistance à 6690 points. L'indicateur RSI reste dans sa zone de surachat. Les investisseurs se montreront prudents alors que ces niveaux pourraient être l'occasion de prise de bénéfices après l'important rallye aussi. Portez-vous à l'achat sur le Varan Call 75,99T, mis par Eni Credit, de prix d'exercice 6800 points de maturité au 16 juin 2023. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.